J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 septembre. Hop, vous voyez un peu ce que ça donne. Avant la récolte des courges, c'est décidé, je vais les récolter parce que elles prennent un coup de soleil. Et à l'autre, la grosse là-bas, c'est pareil. Pourtant, je les ai quand même mises en... Alors désolé pour le bruit des tongs, mais il fait tellement chaud, c'est maillot de bain tong au potager. Et que ça plaise ou non. Donc voilà, elle commence à vraiment changer de couleur, c'est pas bon du tout. Normalement elle est bien verte verte quoi. Là il est temps de récolter. J'avais mis les caisses, mais ça n'a pas changé grand chose. Celle-là je vais peut-être la laisser. Il y en a que je vais peut-être laisser, elles sont bien à la... Oh non... Quoique elles jaunissent quand même. Hein. Donc voilà, elles sont prêtes à être récoltées les courges. Donc ça va être pour aujourd'hui. Les maïs, c'est pareil. Hein. Les maïs, je devrais les récolter, mais le problème c'est qu'il faut les récolter et les faire de suite. Enfin, après, on peut aussi très bien les conserver, mais pour ma part, c'est griller à la poêle ou au barbecue avec du sel. Donc oui, là, il y en a deux qui sont prêts. Là. Il y a celui-ci. Il est bien gros. Hop, comparé à ma main. Et celui qui est là-bas. Pareil, comparé à ma main. Voilà. Ils sont bien gros. Là, c'est pareil. On a un beau concombre. Comparé à mon pied. Voilà. Et le concombre, le nouveau qui pousse, tranquillou. Les deux nouveaux. Je crois que j'avais planté 4 graines, mais je suis pas sûre. J'avais pas noté. Je m'en souviens plus. Et on en a un beau là aussi. Et une belle... Un beau tournesol. On a l'artichaut qui est reparti. Par contre, l'autre, il est mort. Tant pis. J'en referai à partir de cet artichaut et puis... Enfin, de toute façon, ça va se refaire tout seul. On verra l'année prochaine pour ça. Donc voilà pour les concombres. Après, j'ai pas... Si, j'ai fini de nettoyer. Hein. Là, celui-là, je le laisse quand même. On sait jamais. Voilà, je les laisse un peu... Alors, ce qui concerne les tomates, j'ai bien nettoyé quand même. J'ai vraiment pas mal nettoyé. À part, j'ai pas enlevé tout ce qui était encore rempli de mildiou. Donc, à part pour les branches atteintes, quand les tomates sont atteintes, ça se voit, elles sont un peu fripées, elles deviennent marron, elles mûrissent pas. Donc voilà, là, ça va être aussi récolte de tomates aujourd'hui. Tac. Il y a les poivrons, toujours, les piments par là. Les jolis piments. Les poivrons, je vais essayer d'en récolter aujourd'hui avant qu'ils se fassent manger. Ah bah celui-là il est brûlé. Celui-là par exemple je vais le prendre. Ah bah ces deux-là là je vais les prendre. Alors une belle surprise avec la Christophine magnifique qui a poussé de partout. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, elle va partout là. Bref. Mais en tout cas, hier, il y avait plein d'abeilles. Ah, ça chatouille. Hier, il y avait plein d'abeilles, donc il y a pas mal de fleurs. Hop, qui vont commencer aussi. Il y en a vraiment beaucoup ailleurs. Voilà, là, il y en a.
Donc je pense et j'espère qu'on va finalement en avoir des Christophines. Ça serait super, en tout cas, c'est magnifique. Ah bah voilà, là il y a aussi des fleurs, j'avais pas vu. Hop. Elle est partout. Elle va partout. Vous voyez là, je passe. Hop, je suis obligée de la pousser. Elle pousse bah, de jour en jour. Hein. J'essaye à ce qu'elle aille pas par là. Sinon, elle va m'étouffer un peu tout. Bah, déjà, elle y va avec ces branches qu'elle a faites là. Vous voyez, il y en a partout, partout, partout. Ah bah là, on voit aussi des fleurs. Hein. Il y a aussi pas mal d'abeilles. Hein. Ça va être pareil pour les kiwanos, je pense qu'il va aussi y en avoir de ce côté-là. C'est très joli les fleurs. Elles sont vraiment jolies. Bah, tout ça a été pollinisé. Hein. J'ai beaucoup beaucoup d'abeilles, beaucoup de bourdons, beaucoup de frelons. Et pourtant, j'ai pas tant de fleurs que ça, mais vous voyez. Hein. Quand ils sont là, hein, les frelons, les bourdons. Celle-ci, je vais l'accueillir avant qu'elle se fasse manger. Elle commence à changer de couleur. C'est une ananas. Là, je ne l'ai pas nettoyée, celle-là encore. Mais je vais le faire après si j'ai le temps. On a toujours pas mal de green zebra. J'ai d'ailleurs vu de nouvelles fleurs hier. Mais elles ont déjà dû se transformer ou brûler. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. On a aussi des poires jaunes, quelques poires rouges là-bas. Celui-là, il a eu mal. Je ne sais plus c'est quelle sorte par contre, vous voyez. Je crois que c'est pareil, c'était ananas. Ah bah là, j'ai une cœur de bœuf qui s'est fait manger. Je vais l'enlever. Puis à celle-là, je ne les ai pas encore nettoyées, vous voyez. Toutes ces petites branches jaunes. Oups. Pardon. Toutes ces petites branches jaunes là. Je fais ça et j'enlève. Ça, vous ne gardez pas, ça sert à rien du tout. À part regarder éventuellement le mildiou dès qu'il va revenir là. Dès qu'il va recommencer à faire un petit peu humide. Donc ça c'est oui, ça c'est les cœurs de bœuf. Oh bah il y en aura une belle là à récolter, je ne l'avais pas vue celle-là. Elle est magnifique. Les deux là vont être très très belles. Donc voilà. Là il y en a plusieurs des cœurs de bœuf. Et elles sont très très bonnes les cœurs de bœuf. J'adore. Donc et puis allez aux zouglous là-bas. Il y a celle que j'avais plantée juste avant de partir, il y a environ 3 semaines, je crois. 3 semaines, 1 mois. Ça, c'était des cœurs de bœuf. Elles m'ont fait, hein. Malgré que j'ai pas remis de terreau après le passage du ratopier. Là, j'avais cueilli. C'était ça, c'est des green zebra, je crois. Et là, elles m'ont fait aussi. Donc voilà, c'est cool. Et puis j'ai plein de nouvelles petites fleurs. Donc je vais bien la réattacher. Parce que bah, je viens de voir qu'elle est complètement tombée en fait, celle-là. Ouais, celle-là est complètement tombée. Donc je vais la réattacher. Et puis je vais m'occuper de tout ça là. Je vais vite, vite, vite cueillir tout ce qu'il y a à cueillir. Regardez le bête Goji si c'est pas beau. Comme il a bien fleuri. Il lui fallait de la chaleur. Hein. Là, on a les plants de pastèques que j'avais mis dernièrement aussi, qui se développent bien, malgré qu'ils soient restés en pot pendant 3 mois, je crois. Donc voilà, la bête Goji. Et puis, je vais du coup planter la deuxième bête Goji. Je pense que je vais la planter par là, je ne sais pas encore. Ou un peu plus par là, après le banc, là. Hop. La longue violette hâtive qui montre le bout de son nez. Aubergine, les melons, ça grandit tout doucement.
Là, on a plein de fleurs de melon. Par contre, j'ai la Christophine qui s'en mêle. Elle est là, là. J'ai d'ailleurs des fleurs, hein, sur la Christophine aussi, de ce côté-là. Je pense que je vais en avoir vraiment beaucoup, beaucoup. Ah, mais là, je me demande. Ah, bah là, j'ai un début de fruit. Ça, c'est un petit fruit. Je sais pas si je vais réussir à. Voilà. Oh, trop mignon. Ah, bah là aussi, en fait. Tac. Et là aussi. Oh bah je vais en avoir partout. Oh c'est génial. J'adore. Bon bah j'espère qu'il va pas faire trop froid ces prochaines semaines. Histoire qu'elle puisse se développer avant que ça puisse pourrir ou autre. Là on a toujours les dourgas, les aubergines blanches. Elles sont toujours là, les belles dourgas. Elles sont magnifiques, ces aubergines. Et elles sont très bonnes. Je conseille. Par contre, bah, du coup, la taille long green, pas encore. Hein. Je pense que ça va être dans ce plan-là, ce plan-là. Il y a des jolies fleurs, mais pas encore. Pas encore d'aubergines. Là, on a la superbe et sublime aubergine Imperial Black Beauty, pardon. Elle est énorme, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Elle est vraiment grosse. C'est la plus grosse que j'ai jamais eue, je crois. Bon, 7 ans de potager. Eh ben, merci la nature, hein. C'est ça qui fait qu'en fait, chaque année, on refait pousser, on refait pousser. Il y a toujours un petit truc qui donne envie de continuer malgré que ce soit énormément de temps et très très fatigant. Moi, j'adore, franchement, c'est. La nature me remonte le moral. Regardez-moi ça. Les courgettes à récolter, le nimba. Là, une grosse nimba encore. Pas mal de courgettes. Hein. On a des bébés qui arrivent. Hop, la verte de Milan. On en a des jaunes malgré l'oïdium qu'il y a sur les feuilles là. Ça, c'est de l'oïdium. Magnifique courgette, magnifique. Là, toujours la Nimba. Bah, la Nimba, c'était des graines que j'avais gardées. C'était mes graines à moi. C'est la Strike Neck. Et puis voilà, super, hein. Là, il n'y a plus de melon. Là, les pommes de terre ne vont pas repousser. Plus de melon, il faut que j'enlève le tuteur. Là-bas, les longues de Nice n'ont pas bien évolué. Peut-être pas assez d'eau et puis pas assez éclairci parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de racines dans les trous avec les plants. Là, toujours pas cueilli les haricots verts, les pauvres. Faut que je les cueille aujourd'hui. Allez, je vais cueillir les 2-3 qu'il y a là parce que ils sont le tout le reste à cramer. Ils ont tous cramé. Et là, on a un pied de concombre qui a poussé tout seul. Comme ceux qui sont là, mais ils ont grillé. Avec le soleil et puis sans arrosage, ils risquaient pas de. Les jeunes plants ne risquent pas de pousser. Puis la betterave, hein, les betteraves que j'ai laissées finalement, qui continuent de bien grossir. Hein. Donc voilà, je les laisse et puis je vais arrêter d'oublier de les couvrir surtout. Parce que le lièvre, il repasse tout le temps. Là, je pense que c'est un nouveau mirabellier, mais je ne suis pas sûre. Ou un nouveau prunier ou mirabellier. Faut que je vérifie avec Plantanet ou une autre application. Les petits concombres. Celui-là, faut que je l'arrache. Hop, et puis voilà, on a fait le tour. Hein. Voilà ce qui reste. Franchement, bien vert, j'adore. Trop trop beau. Sans oublier la sauge, par contre, elle a soif, elle. Pou pou pou. Elle a bien bien soif. Hein. Ouais. Mais bon, ça fait pas de mal un peu de chaleur quand même. Franchement, ça fait du bien. Bon, allez, maintenant, c'est cueillette.
fait déjà pas mal, hein. Je vais encore en prendre. Je vais continuer de cueillir. Et voilà, la récolte en légumes. J'aurais pas fait ni les piments ni les haricots verts finalement. Je vais pas avoir le temps parce que je vais cueillir maintenant les courges avant qu'il fasse nuit. Et le temps de tout redescendre, ça va mettre un peu de temps. En tout cas, une belle récolte encore une fois. Franchement, j'adore. Bon, ben voilà, j'ai fini la récolte. Toute sale. Je suis triste. Doudou n'est pas là. Il a école, donc il faut qu'il se prépare au coucher. Et comme ça, moi, je vais avoir tout mon temps par la suite. Hein, parce que beaucoup moins de travail au potager. Donc voilà, ça me fait des belles courges. Hein. Alors, je vais en prendre une. Vous allez voir à peu près ce que ça donne. Vous voyez comme elle est grosse. Elle est énorme ici. Énorme. Donc bon, bah je crois qu'on va avoir de quoi manger hein, niveau courge. Hein. Là, je vais les ranger un peu au frais. Et à la lumière, mais pas au soleil. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour le soutien. Merci.